Bonjour, je suis Ariane, donc déléguée de la Fédération du Doubs. J'ai 24 ans et je suis en service civique dans un café associatif à Besançon. Donc c'était une façon pour moi de travailler tout en alliant militantisme et vie professionnelle du coup. Même si c'était aussi dû à des raisons personnelles de difficulté d'accès à un emploi. Et en fait je pense que c'est quelque chose qui touche très largement la jeunesse. Donc un service civique dans ce café qui s'interroge beaucoup notamment sur les questions d'écologie, de développement durable, etc. Donc c'est super de pouvoir travailler, de gagner sa vie tout en réfléchissant à des questions qui sont politiques finalement. Et ça permet aussi d'avoir du temps pour aussi être bénévole dans d'autres associations. Moi je vais dans des écoles primaires pour faire des interventions sur la citoyenneté. Donc en fait la politique elle se joue dans le parti mais aussi en dehors, et pouvoir lier les deux professionnellement c'est vraiment super pour les jeunes. Pour moi ce congrès il est très important parce que du coup il se passe à un an des futures échéances électorales, donc présidentielles et législatives. Et c'est justement les débats qu'on est en train d'avoir en ce moment même, et pour moi c'est primordial qu'on sorte avec une décision qui mette d'accord l'ensemble des communistes, mais qui soit un message clair à l'ensemble des Français sur la stratégie qu'on entend adopter pour les échéances de l'année prochaine. Donc de fait, cette stratégie, elle dépend du projet qu'on a envie de porter. Donc c'était important aussi qu'on soit d'accord sur le projet qu'on veut porter. Et voilà, pour moi, ça a du sens de, après le projet, de poser les questions de stratégie et d'envoyer un message fort à tous les Français sur la stratégie qui sera celle du Parti communiste pour l'année à venir.